Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait moins de cyberintimidation? Moi, j'en fais pas parce que les personnes aussi ne devraient pas en faire. C'est quoi la plus belle qualité humaine? L'honnêteté. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'avoir confiance en nous. S'il y avait juste une chose que tu voudrais que tous les humains de la Terre attendent, ce serait quoi? Parfait. Que peut-on faire pour arrêter l'intimidation? Je vais le défendre les jeunes d'intimider. Et pourquoi? C'est important pour nous. C'est quoi la plus belle qualité humaine? Pourquoi? La gentillesse agit. Que peut-on faire pour arrêter l'intimidation? Avertir les parents. Aimes-tu être devant la caméra? Ben, pas vraiment, mais c'est juste gênant devant la caméra. Tu sais, quand le monde regarde, là, puis que la caméra nous filme, c'est gênant. C'est quoi la chose la plus importante pour toi? Mon petit frère adoptif, aussi mes amis, puis ma famille. Est-ce que tu t'es déjà fait intimider? Ben, pas vraiment, mais il y a du monde qui était méchant avec moi, à cause de mon accent. C'est quoi la chose la plus importante pour toi? La famille, l'école. L'école parce que j'aimerais être infirmière plus tard pour aider les autres. Que peut-on faire pour arrêter l'intimidation? Donner l'exemple aux personnes en étant respectueux. Aimes-tu l'école? Pourquoi? Oui, j'aime l'école, j'aime travailler. Quelle serait la chose que tu souhaiterais faire le plus si tu savais que dans un an, c'est la fin du monde? Il n'y aura pas de fin du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'il y ait moins de cyber-intimidation? J'avertis. Qui? Services sociaux. C'est quoi la chose la plus importante pour toi? L'hockey. Pourquoi? C'est ma passion. Si il y avait juste une chose que tu voudrais que tous les humains de la Terre attendent, ça serait quoi? Aimer la nature. Qu'est-ce que tu penses de l'intimidation? Ça fait vraiment mal. C'est quoi la chose la plus importante pour toi? Mon ami, je t'aime. Yo! Quelle chose as-tu souhaité mais qui n'était pas encore arrivée? Être sage-femme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait moins de cyber-intimidation? Dénoncer la personne à un adulte. Quelle chose as-tu toujours souhaité mais qui n'était jamais encore arrivée? Pouvoir faire une chanson avec mon père. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait moins de cyber-intimidation? Attention sur Internet. Quelle chose as-tu toujours souhaité, mais qui ne t'est pas encore arrivée? Finir mon école. Pour toi, c'est quoi sans limite les meilleures carrières possibles imaginables? Avocate. Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans 10 ans? J'aimerais survivre à Chicoutimi et avoir une carrière en orthopédagogue. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Minimum 2. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, je m'occupais déjà de mon frère et de ma soeur, puis c'était quand même dur. Quelle est la chose dont tu es le plus fière d'avoir fait dans ta vie jusqu'à maintenant? Je sais pas. Ben, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir mon secondaire 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait moins de cyber-intimidation? Me respecter les autres. Termine la phrase. Si tu me connaissais vraiment, tu serais que drôle, amusante, magnifique, des fois chiante, et c'est tout. S'il y avait une chose que tu voudrais dire à tous les humains de la Terre attendant, ce serait quoi? Je vous aime.